Comment être à l'aise en vidéo? Oui, parce qu'en fait, t'es pas magique. Vous vous lancez dans la vidéo ou vous souhaitez le faire très activement? Pour ma part, j'ai mis 4 ans à franchir cette étape. Le problème, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne passe pas à la caméra. Déjà, je vous rassure, c'est tout à fait normal et vous faites partie de la plus grosse majorité des gens. Je vous invite à aller voir les anciennes vidéos des youtubeurs connus et de regarder un petit peu ce que c'était au début. Non, définitivement, ils sont pas très très à l'aise. Pourquoi c'est important d'être à l'aise face caméra? Vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez que... il y a un truc qui bloque et vous sentez que ça se ressent vraiment à l'image. Tout simplement à cause du langage non-verbal. Le langage non-verbal, c'est 93% de votre communication avec quelqu'un. Oh my god. Si, si, c'est vrai. Impossible. 55% le langage du corps et 33% la voix. Donc t'es juste en train de dire qu'il y a que 7% sur ce qu'on est en train de dire vraiment. Oh my god. Le malaise que vous ressentez quand vous voyez en vidéo vient de ce problème de langage non-verbal qui n'est pas réglé. Les gens vont ressentir immédiatement que vous êtes mal à l'aise au bout de quelques secondes. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, au collège, au lycée, on a plusieurs profs, profs de chimie, profs de français, profs de maths, profs de sport, et ils vont défiler dans les premiers jours, on va les rencontrer pour la première fois. Et là, rappelez-vous ce qui s'est passé dans votre tête. Vous avez mis à peu près entre 30 secondes et 2 minutes pour comprendre à qui vous aviez affaire. Pourquoi? À cause du langage non-verbal. Vous avez écouté la personne moins de 2 minutes et vous avez tout de suite compris ses points faibles. Vous avez compris si vous allez pouvoir mettre le souk ou pas dans la classe. Vous avez compris si le gars ou la fille, elle rigole pas. Et ça, c'est quelque chose d'inné chez l'être humain. On reçoit les messages du langage non-verbal qui est envoyé par la personne en face de vous. Et ça, ça vaut bien sûr aussi pour la vidéo. Je vais vous donner 3 astuces qui vont vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise en vidéo. Astuce numéro 1, faites comme si. On a tous dans notre vie, quand on était enfant, joué des jeux, joué des rôles dans la cour de récréation. Toi t'es le voleur, moi je suis le policier. Toi t'es la fée, moi je suis le chevalier. Enfin bon, il y a un milliard d'exemples. On a tous un moment joué un rôle. Et c'est facile quand on est enfant de faire ça. Donc c'est une faculté que vous avez en vous. Votre cerveau, pour être à l'aise, a besoin d'avoir vécu cette situation. Mais attends, parce que là je comprends pas trop. Parce que là tu dis vécu, mais comme on n'est pas à l'aise, comment tu veux qu'on vive la situation alors qu'on n'est pas à l'aise? Parce que du coup, et oui, mais c'est là où c'est magique. Le cerveau ne fait aucune distinction entre une action qui s'est réellement passée et une action qui n'existe pas. Ok, quand tu rêves, t'as l'impression que c'est réel dans ton rêve? Et ben là, c'est pareil. Le pouvoir de la vision ou de faire des actions en mode je fais comme si. Pour cela, c'est très simple. Vous allez imaginer une personne qui a des compétences en prise de parole en public, qui a des compétences en vidéo, et vous allez faire comme si vous étiez lui. Donc moi, je suis pas du tout d'accord parce que ça dénature vachement. Moi, j'ai une personnalité, tu vois, et je veux pas faire comme un autre. Je trouve ça... L'idée, c'est pas de copier quelqu'un. L'idée, c'est de donner l'information à votre cerveau que vous êtes à l'aise face caméra et qu'il le mémorise. Donc, imaginez cette personne qui se débrouille très très bien dans une compétence que vous voulez avoir. Ici, on parle de prise de parole en public et de prise de parole devant une caméra. Ça peut jouer aussi sur plein de domaines. Vous imaginez et vous faites comme si vous étiez lui. Bien évidemment, ces vidéos-là, vous les postez pas sur YouTube, mais vous allez vous entraîner avec ça. Vous allez voir, vous allez avoir des sensations qui vont vous rendre plus à l'aise pour les prochaines vidéos où vous allez utiliser votre personnalité. Ah d'accord. Deuxième astuce très importante, entraînez-vous. Ça fait juste un mois que je fais des vidéos. Regardez un petit peu mes premières vidéos. Regardez les vidéos que je fais maintenant. Et moi, je le sens même quand je fais les vidéos. Quand je tourne les vidéos, je le sens. Et quand je vois les vidéos que je sors, je le revois encore plus. Cette phrase ne veut rien dire du tout. Vous allez pouvoir voir une évolution assez énorme. Et ça, pour le coup, c'est pas de l'entraînement puisque je fais en live, je poste, mais c'est de la répétition. Et quand on s'entraîne, qu'est-ce qu'on fait? On répète. On répète, on répète, on répète. Prenez l'habitude de parler devant votre objectif. Et là, on arrive à la troisième astuce, faites de l'objectif votre meilleur ami. Quand on parle devant une caméra comme ça, on fixe un objectif et on lui parle. Et ça peut être assez bizarre. Je vous avoue que dans les premiers temps, je trouvais ça assez flippant comme truc. Si vous trouvez ça bizarre ou que vous avez peur ou que vous exprimez une sensation de gêne de parler à un objectif de caméra, forcément ça va se voir où? Dans votre langage non verbal. Et là, c'est la cata. Donc votre objectif doit devenir quelqu'un, doit devenir votre ami, doit devenir quelqu'un là à qui vous parlez. Là, je parle à un appareil qui a un objectif, je regarde l'objectif, mais pour moi, dans ma tête, je parle à quelqu'un. Et ça, c'est très 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 important. On récapitule
l'étude les 3 astuces pour vous sentir à l'aise devant une caméra. Numéro 1, vous faites comme si. Numéro 2, entraînez-vous, répétez. Numéro 3, faites de cet objectif votre ami. Bien sûr, ça peut se régler avec du coaching. La prise de parole en public est d'ailleurs une demande qui est extrêmement forte. Et il ne faut pas croire que les gens qui sont à l'aise en conférence, en vidéo et en prise de parole en public l'ont eu comme ça, en mode inné, je suis née avec. Certaines personnes ont bien sûr beaucoup plus de facilité que d'autres, on n'est pas égaux vis-à-vis de ça, mais je vous assure qu'en utilisant les 3 astuces que je viens de vous donner, ça va changer la donne. En parlant de coaching, pour finir, vous savez, j'ai toujours le programme Passer à l'action, où je fais une sélection de gens qui veulent vraiment passer à l'action pour justement un programme de coaching. Il y aura cette thématique qui sera abordée là-dedans, donc je prends pas tout le monde, vous pouvez remplir ce questionnaire, je prends que les gens qui sont motivés. Quoi qu'il arrive, que vous preniez ou non ce programme, on s'en fout. L'important, vous le savez bien, je vous le dis tous les jours, et maintenant va falloir le faire, passer à l'action. À demain, bye bye.